que vous avez, par exemple, quelles sont les principales recettes de la ville? Alors pour moi, les principales recettes sont dues aux cotisations des Lavallois, donc les impôts. Et puis ensuite, il doit y avoir des choses qui arrivent, des fonds européens, des fonds nationaux. Les impôts locaux, taxes d'habitation, les cantines scolaires. Alors est-ce que vous savez quelles sont les principales dépenses de la ville? Oui, il y a les impôts, il y a l'école, il y a l'espace vert. Premièrement, il faut payer les salariés quand même, hein, ça c'est évident. Hein. Déjà dans tout ce qui est par exemple entretien, espace vert, les employés des écoles. Dans le registre de la culture, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la, du maintien de la sécurité. Voilà. Tout ce qui est dans les bâtiments, rénovation. Je pense que la ville intervient beaucoup pour les écoles. Je vois beaucoup de travaux ou d'améliorations qui se font dans les écoles. J'habite à côté d'une école, donc je vois bien que la ville intervient beaucoup dans les rénovations ou les travaux d'école. La ville dépense bien son argent. Je crois qu'elle est assez restreint. Je trouve que c'est quand même assez normal. Les temps sont durs, c'est normal de faire un peu de sacrifices. Hein. Vous pensez qu'il y a un élu spécialement qui s'occupe des finances? Oh oui, je pense, oui. Est-ce que vous pensez par exemple que la ville de Laval est endettée? Alors elle est endettée, ça on le sait, elle est même fortement endettée. Maintenant aujourd'hui, si on ne s'endette pas, on n'investit pas, et si on n'investit pas, on ne progresse pas. Donc pour moi un endettement c'est indispensable. Après il faut quand même pouvoir le maîtriser, c'est ce qui est le plus important. Je sais qu'il y a eu des emprunts toxiques sur Laval qui ont été renégociés apparemment il y a peu de temps. Donc voilà. Dernière question, est-ce que si vous étiez demain maire de Laval ou adjoint aux finances, quelle serait pour vous la mesure la plus importante à prendre pour les Lavallois? Déjà diminuer un peu les impôts. Parce que, disons malheureusement, ce qui est mis dans les impôts n'est pas mis dans la consommation des commerces. Je pense que les Lavallois, c'est le nouveau maire va me baisser mes impôts de 10%. Après, comment et pourquoi? Bon, ça.